très difficile, une entame de match pas terrible des deux côtés, où il y a eu quelques loupés, j'ai eu la chance de pouvoir gagner la première partie, et puis après le jeu était, j'ai mis des blanches à la casse, Steph en a profité, il a mené au score, il a fait quelques belles casses aussi lui, qui lui a permis d'avoir des jeux corrects, et il a su faire le travail, et puis après, ben, un match, il y a toujours souvent deux temps, et en fait, dans le premier quart-temps, ben, Steph a pu gérer, deuxième quart-temps, grâce à une bille finesse au milieu, une noire extraordinaire qui était vraiment pas évidente, et ben, c'est ce qui m'a redonné l'envie de me raccrocher, et j'ai mis ce noir, et donc ça m'a permis de revenir au score. Donc après, derrière, ben, j'y ai cru encore une fois, une deuxième fois, et puis ben, voilà, après les tables se sont plus mis en ma faveur que la sienne. Et le reste de la journée ? Le reste de la journée, premier match contre Dimitri, match toujours particulier pour moi parce que j'arrive et je suis pas chaud. Dimitri avait fait un match avant, donc ça dans la tête c'est jamais, c'est jamais évident parce qu'on sait que nos adversaires souvent ont fait un match. Donc le premier match est souvent très difficile. On ne sait pas comment on va jouer, on ne sait pas notre forme du jour. On a tapé quelques billes à l'entraînement juste avant, mais on ne sait pas comment notre cerveau va résonner au moment présent. Donc c'était la dernière personne avec qui j'avais joué, la fois dernière, puisque c'était mon finaliste. La vengeance. Donc forcément, ben, c'était un mal pour un bien, parce que du coup j'ai dû m'appliquer dès le départ. Et puis après le match a tourné en ma faveur aussi, lui il n'a pas très bien joué, voilà. Deuxième match contre Richard Lemaire. Donc Richard dans un état de forme assez correct, d'où il y avait longtemps que je n'avais pas vu jouer comme ça. Et puis en fait ça s'est tenu vraiment au nerf, et puis à un moment j'ai réussi à me décrocher. Et à passer devant et gagner le match. Et cette finale pour demain, tu la sens comment ? Donc soit Paul Kovrig, soit Stefan Kontoski. Comment je la sens ? Si je te donne en fait mon état de forme d'aujourd'hui, parce que demain je ne sais pas comment je serai. Aujourd'hui c'est pas mauvais en soi, je suis capable de réaliser de belles choses, mais comme je suis capable de faire des petits bugs où je ne vais pas m'appliquer sur certains détails, alors qui peuvent me coûter une partie et voir le match. Donc j'espère demain être un peu plus rigoureux qu'aujourd'hui. Voilà. Merci à toi. Merci.